What's up, Magné, bienvenue sur la chaîne, frérot, tu connais. Dans cette vidéo, on va parler du FC Barcelone, de Franck Yannick Caissier, qui va peut-être arriver au FC Barcelone la saison prochaine. Mais mon gars, comme tu l'as vu dans le titre, avant, on va parler de l'Ukraine et de la Russie. Comme tu le sais, en ce moment, en Ukraine, c'est un total bazar, mais un total bazar. Il y a la Russie et l'Ukraine qui s'entendent pas. Donc, du coup, voilà, de ce fait, il y a des innocents qui sont tués, il y a des balles, il y a des bombes, il y a des explosions et tout ça, mon gars. Mais voilà. Le peuple ukrainien a décidé de défendre leur pays, hein, ce qui est tout à fait normal. Le monde du football est touché. Il y a deux joueurs ukrainiens qui sont morts, les frérots. Le premier, il s'appelle Vitali Sapilo, 21 ans. Il avait 21 ans. Il jouait à Kaparti Elfif. Il a été tué au combat à Kiev en voulant défendre la capitale ukrainienne. Et le second, il s'appelle Dimitro Martinenko. Il avait 25 ans. Il jouait au FC Gostomel et il est décédé aux côtés de sa mère. Ah ouais, c'est triste, aux côtés de sa mère, suite à une explosion d'une bombe sur un immeuble. Grosse pensée pour leur famille et leurs proches, RIP les frérots. Franchement, voilà les roues, hein, comme vous le savez, en ce moment, il y a beaucoup de bails qui se passent en Ukraine. Il y a aussi des clubs, des fédérations de football qui mettent la pression sur la Russie. Voilà, il y a plusieurs sanctions qui ont été faites sur la Russie dans le monde du football. Il y a aussi Adidas qui a décidé de suspendre son partenariat avec la fédération russe. La fédération russe aussi, elle a été interdite de jouer à la Coupe du Monde. Il y a tous les pays qui devaient affronter la Russie, comme la Pologne, la Suède et tout ça. Ils veulent pas jouer face à la Russie. On a aussi le sponsor de chaque 04, Gazprom. Chaque 04, ils ont décidé de rompre leur partenariat avec Gazprom. Donc du coup, en ce moment, la Russie et surtout la Fédération russe de football, elle est en train de subir vraiment de très très lourdes conséquences de ce qui se passe en Ukraine. Et aussi la finale de la Champions League qui devait se jouer à Saint-Pétersbourg, si je ne me trompe pas, ouais, c'est Saint-Pétersbourg. Voilà, elle se jouera plus en Russie, elle se jouera au Stade de France. Donc voilà, les frérots, voilà, c'est un peu triste ce qui se passe en Ukraine, mais on espère que tout va s'arranger et on prie pour eux, les frérots, et force à eux, force à l'Ukraine, force à eux, les frérots. Là, maintenant, les héros, on va parler du Barça. Le Barça en ce moment, les héros, le Barça en ce moment, qui est en train de faire, mais vraiment kiffer tout le monde. Et je sais que toi, même si tu n'aimes pas le Barça, même si tu supportes le Real de Madrid, les frérots, voilà, faut être honnête avec nous que quand en ce moment, tu regardes le match du Barça, tu es en kiff. Pedri qui nous a sorti mais vraiment un excellent match face à l'Atlético Bilbao. Il était vraiment au-dessus, Pedri, le milieu de terrain. Il a vraiment bien géré le milieu de terrain. Et on voit que le Barça est en train de sortir la tête de l'eau. Et de ce fait, voilà, un joueur en ce moment et tout, qui propose de bonnes choses, qui a des belles performances. Franck Yannick ici au Milan AC, qui fait vraiment des belles performances, qui en ce moment est en train de, je sais pas, éclore, même si le mec et tout, voilà, il est un tout petit peu âgé, si je ne me trompe pas, je crois qu'il doit avoir 25 ans ou 24 ans, je sais plus trop, mais ça va, c'est pas non plus, voilà, un truc de ouf, quoi, il est jeune, on va dire. Et il y a Franck Yannick Caissier qui va sûrement, je pense que sûrement, arriver au Barça la saison prochaine, et moi, je pense que c'est vraiment une très bonne chose, parce que, voilà, on a un Busquets qui est en fin de carrière, et un Franck Yannick Caissier. S'il arrive au Barça, franchement, le mec, il est physique, le mec, il est costaud, le mec, il est vraiment athlétique. Il va permettre au Barça, franchement, de muscler son milieu de terrain. Et je pense que ça, ce type de joueur-là, avec des joueurs, avec des milieux offensifs, tels que Pedri, Gabi, prêt à donner de bons ballons aux attaquants, et un Franck Yannick Caissier qui sait aussi faire de bonnes passes, et qui sait aussi très bien défendre, qui est vraiment solide. Franchement, ça peut que solidifier le terrain du Barça, et je pense que la saison prochaine, le Barça quand même aura besoin de ce type de joueur là pour solidifier son le terrain. Donc mon gars, n'hésite pas à me dire et tout en commentaire si tu penses que Franck Yannick Caissier est une bonne recrue pour le FC Barcelone, ou si tu penses que voilà, le Barça doit plus se pencher sur des joueurs plus techniques et moins physiques au milieu de terrain. Comme on a l'habitude de voir, en Barça, on n'a pas vraiment eu des milieux de terrain vraiment athlétiques. On a toujours eu des milieux de terrain techniques et tout ça. Donc, dis-moi si tu penses que c'est une bonne chose. Parce qu'aussi, il ne faut pas oublier que le mec, il est en fin de contrat avec Milan. Et s'il arrive au Barça, il va signer gratuitement. En sachant que voilà, le Barça quand même a dépensé beaucoup d'argent sur Ferran Torres. Et peut-être que le Barça aussi aura un sponsor la saison prochaine qui sera Spotify, va permettre au Barça d'augmenter son budget. Mais voilà, je pense que aussi le Barça la saison prochaine aura besoin aussi d'un défenseur. Donc
Donc voilà, hein, s'il recrute Franck Yannick Caissier, moi je pense que c'est une bonne affaire, c'est une bonne affaire pour le Barça. Donc comme je l'ai dit, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu penses que c'est une bonne affaire ou si c'est une mauvaise affaire pour le Barça, mon gars. Et pour terminer, on va parler de deux joueurs, Lewandowski et Kylian Mbappé. Déjà, on va commencer par Lewandowski. Lewandowski qui veut aller jouer au Real de Madrid. Bon, Lewandowski, c'est un joueur qui est âgé. Et je pense que le Real de Madrid a envie de reconstruire. Donc, est-ce que c'est une bonne chose pour le Real de recruter Lewandowski? On va dire, bon, ouais, Lewandowski, il est chaud, mais il en fait de carrière. Et je pense que le Real a déjà un Karim Benzema. Donc, du coup, je ne vois pas l'intérêt d'aller recruter voilà, un Lewandowski si tu as Karim Benzema, en sachant que déjà en attaque, tu as des joueurs comme Vinicius, Rodrigo et peut-être Mbappé qui va arriver au Real la saison prochaine. Donc, du coup, si tu es sur le projet du Real, si tu regardes cette vidéo, dis-moi si pour toi Lewandowski sera une bonne recrue pour le Real. Je sais pas, moi, bon, pour moi non. Et on va parler aussi de Kylian Mbappé, le PSG, les amis. Le PSG qui a fait une nouvelle offre à Kylian Mbappé. Là, on te parle de 2 ans de contrat avec un salaire annuel de 50 millions d'euros, une prime de fidélité de 100 millions d'euros s'il reste au club. Le PSG est vraiment prêt à tout pour garder Mbappé, les amis. Franchement, le PSG est vraiment prêt à tout pour garder Mbappé. Et franchement, moi, je pense que là, l'avenir d'Mbappé au PSG, ça va se jouer, je pense, sur le match retour de Champions League entre le Real et le PSG. Pour moi, si le Real arrive à sortir le PSG n'aura plus rien à jouer, en fait. Parce que la Coupe de France, ils sont éliminés, il n'y a plus la Coupe de la Ligue. Il va rester que la Ligue 1. Et je pense que voilà, même là, la Ligue 1, le PSG a déjà gagné la Ligue 1. Et moi, je pense que Mbappé, ça va le saouler. Franchement, d'avoir autant eu des échecs avec le PSG, Mbappé, ça va le saouler. Je pense que si le PSG la sort face au Real, ouais, je vois mal, mais vraiment très mal, Mbappé rester au PSG. Même par contre, si le PSG voilà, arrive à se qualifier pour les quarts de finale, Mbappé, on peut se dire qu'il peut commencer à penser à dire « Ouais, je peux encore rester au PSG. » Et si le PSG va au bout de la Champions League, si le PSG remporte la Champions League, bon, là, il y a deux trucs. Je ne sais pas si Mbappé, il va se dire « J'ai déjà remporté la Champions League avec le PSG. Vas-y, j'ai envie de chercher un nouvel objectif et tout ça, un nouveau projet. » Mais par contre, si le PSG arrive genre en demi-finale, il se fait sortir, je pense que là, Mbappé, il peut rester. Mais si le PSG sort face au Real, là, je pense que moi, Mbappé va partir. Et si le PSG remporte la Champions League, Mbappé, il n'aura plus rien à prouver au PSG parce qu'ils auront atteint l'objectif du club. Donc, du coup, les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si vous pensez que vraiment, hormis tout ce que je viens de dire, si Mbappé va vraiment rester au PSG la saison prochaine ou s'il va partir au Real, ou si vous pensez que pour Mbappé, pour sa carrière, si c'est mieux de rester au PSG ou si c'est mieux de partir à Real Madrid, les amis. Mais moi, je veux qu'Mbappé reste au PSG parce que moi, je suis un fan du Barça et je ne veux pas avoir Mbappé en Liga. Au pire, qu'il parte en Première Ligue ou à City ou à Man United ou à Chelsea, franchement, je serais content pour lui. Mais si Mbappé vient au Real, franchement, moi, je ne serais pas content. Même si, voilà, le Barça en ce moment-là, Barça de 2023 va faire du sale, donc je m'en fous. Qui vient au Real, même s'il vient au Real, le Barça, on va tout niquer. Donc du coup, c'était tous les amis pour cette vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, et encore RIP, grosse force et tout, aux Ukrainiens, aux deux joueurs, aux familles des deux joueurs qui ont perdu les enfants et tout ça, c'est pas cool, franchement, c'est pas cool. Donc les gros, restez toujours positifs. La tête est gagnante, allez, peace.